Bonjour, bonjour, c'est TubuCraft et bienvenue pour l'épisode 1 d'une nouvelle série dont l'épisode préliminaire donnait quelques explications et quelques justifications surtout, que on va commencer tout de suite là sous vos yeux ébahis et les miens en particulier puisque c'est d'abord pour jouer que je fais ces vidéos. Voyons voir, et ben voilà, Minecraft est lancé, j'étais pas du tout en train de regarder l'écran de l'ordinateur, ça sert à rien, puisque c'est moi qui parle. Mais maintenant, il va falloir agir, donc aujourd'hui, nous allons créer un nouveau monde, en 1.7.10, en 720p s'il vous plaît, mon ordinateur est beaucoup plus charitable. On va l'appeler, pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, je disais que je n'avais aucune idée du nom que j'allais lui donner, et ben ça n'a pas changé depuis puisque je tourne cet épisode 5 minutes après avoir terminé le premier. Quel nom je vais lui donner? Je n'en sais absolument rien, donc pour l'instant ce qui est du nom de la partition Minecraft, ce sera nouvelle saison Ubucraft janvier 2015. Zut, alors va falloir écourter. Alors, il y a eu combien de saisons? Oui, c'est pas des saisons proprement dit, mais on va partir là-dessus. Donc, il y a eu 1, l'aventure solitaire. Il y a eu 2, Mine vs Wild. Il y a eu 3, Upperly Ubu. Il y a eu 4, Ubu Forti. Donc, saison 5. Saison 5, Ubu. Je vais mettre 1, 7, 10. Ben oui, j'aime bien marquer la version, parce que comme je joue en plein de versions différentes et avec des modes. Voilà, ça m'évitera de faire des conneries. Des bêtises, pardon. Game mode survival, probablement en hard. En difficile. Mode option, alors je rajoute les cheats comme d'habitude. Ça m'a de temps en temps pas mal débloqué. Des bugs, des machins, mais s'il y en a franchement de moins en moins dans ce cas-là. Bonus chest. Bon, on va tenter 100. Allez, à l'arrache. Et vous allez voir que c'est pas rien de tenter 100, vous allez comprendre tout de suite. Ok, saison 5, 1, 7, 10, c'est parfait. On crée le monde. Paf. Voilà, c'est parti. Génération du monde. Vous allez découvrir, vous allez tout de suite, pour ceux qui connaissent un petit peu Minecraft, deviner la présence de pas mal de modes connus. Ben, je vous laisserai regarder pour ceux qui regardent. J'enregistre normalement quelque chose genre 30-35 dps. Je sais pas s'il m'attaque. Alors, je ne vais pas comprendre, moi non plus, je vous rassure. Oh. Je viens à peine d'arriver. Oh petit cheval, de ne pas m'agresser, mais il a pas l'air de vouloir m'agresser. Alors j'ai quoi? Donc j'ai des côtelettes, un bouquin, deux bouquins, super. Bon, c'est beau. T'as 20 points. Fort. Oh, c'est mignon. Ouais, réagissent. Ah ouais, bien. La nourriture, hop, on commence par le faire. Bah tiens, je l'emporte. J'imagine que ça se replante. Ah oui. Voilà, bon. Alors, ensuite, il me faut du bois. Alors, oui, du bois, j'en ai partout, hein. Pas de panique, j'ai vu ça, je regarde. On va un petit peu se balader. Hop, 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 hop. Non, 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 une panthère. Je ne sais pas où je vais. Je ne peux pas lutter contre ça. Ouais. Allez, du bois. Ouais, getting... C'est pas un buisson ça? Raspberry. Oh, bon, voilà, hop, un quatrième, voilà. Des buissons, non pas de buissons. Du bois. Voilà. Il faut du bois, comme toujours. Beaucoup de bois au départ. On arrive dans le dos.
que c'est peuplé, c'est un endroit sauvage, une terre aussi. C'est inutile la terre. Là, bon, c'est pas mal. Là, on s'en fout. Hop, là, bah, le bois il est très bien là. Ça va avoir ici. Hop. Voilà, ça devrait. Ouais, 4, ça suffit. Qu'importe si c'est des points différents. Allez, on se fait un petit point, un petit moment. Il va falloir que je trouve où est-ce que je me trouve. Et ben, j'ai une petite idée. Alors on va reprendre. C'est quoi ça? Donc un nounours, ça? Est-ce que j'arrive à viser? C'est un nounours. Bon, ils ont pas l'air agressifs, donc on va en profiter. Hop, voilà. Ah, c'est une graine, c'est pas pitoyable du tout. Voilà, voilà. Voilà, on va faire un petit carré totalement inesthétique et totalement insultant pour Mère Nature. Et on va se mettre là. Voilà. Et on va faire une petite tourelle pour regarder. On va s'élever. Je vais déjà regarder là. Alors, oh la vache, c'est grand. Ah, là, il y a du plat. Ça m'intéresse. N'y aurait-il pas... C'est un éléphant que je vois là, je crois. Ouais, ça va être un éléphant. C'est un éléphant. Il y a une caverne. Regardez. Ça, c'est intéressant. Un gros bug de chunk, c'est intéressant. Oui, si on veut. Avec, évidemment, c'est les nuages qu'on voit. Bon, là, il y a moult... Ah non, attendez, c'est pas... Donc cette forêt-là, en gros, je suis à peu près ouais, au cœur de cette forêt, sachant qu'elle est plus ou moins jointive, et c'est entouré de plats. C'est intéressant pour se repérer. C'est quoi, ça? Un ent! Oui, alors attention, dites un ent, ça veut dire que il me semble que... Oui, qu'ils aiment pas trop quand le soleil se couche, hein, ça craint. Alors voyons voir, là, j'aurais besoin peut-être... j'ai soif, oui. Enfin, j'aurais soif de sable, là c'est l'air d'une falaise ou une faille, je vais m'en approcher, je vais prendre un petit peu de sable par là, des moutons, et ben voilà, hop, alors première chose, on va se faire une arme, une arme, alors une petite arme comme ça vite fait, ici, à mon avis, un truc en bois, magnifique, voilà, wooden dagger, bon, ça mange pas de pain, mais c'est déjà très... voilà, oui, mais du coup, ça peut faire du charbon, ça m'intéresserait pas de faire de l'électricité. Alors, j'ai rien eu. Non, ça c'est rare, mais bon, voilà, une, rien que pour dire que. Et ben voilà, une pousse. Bon, je vais pas aller loin avec ça. Alors, on va aller voir. Faut que je prenne ça. Alors, déjà, oui, il faut que je tue les moutons. Je fais n'importe quoi, oui, un petit peu. Hein. Oh là, je suis vraiment rouillé. Hein. C'est pas facile. Oui, mais je peux pas sauter. Oui, je peux sauter. Bah, hop. Alors, attention, ramasse tout. Et là, j'ai besoin de la laine. Moi. Oui, la laine. Ah non, j'ai pas la laine. Ah, ça y est. Une laine. Quand tu te bouffes. Alors ça, bah attends, ça c'est toi. C'est dur à viser hein, ce truc a une portée vraiment pas incroyable. Voilà, j'en ai deux, il m'en faut une troisième. Oh, les moutons, il y en a même plus que trois, tu vois. Bon bah allons-y. Ah bah voilà, hop, j'ai trois laines, magnifique. Ensuite, je veux un cochon là-haut. On va déjà dépouiller ce... Voilà. Pour la nourriture, faut pas cracher dessus, je sais pas exactement encore. Ouais, c'est bon. Alors ça... À mon avis, ça doit se manger. Bah, hop, trop grand. Voilà. C'est marrant qu'il y ait de la terre sans eau. Ben, à mon avis, si je la laisse, elle se défend. Je pense pas qu'elle soit cultivée longtemps. Oui, voilà. Ça... On va en prendre 4. Ça va dans le même. Ouais, c'est la même C.
excellent. Hop, encore la bouffe. Ah, 5, c'est très bien. Allez, hop, ça suffit. Alors maintenant. Est-ce que je prends un peu plus de laine? Pas sûr que ça a un intérêt, pas que oui, on va. J'ai plein de trucs. C'est fou, je ramasse tous les trois pas un truc. Allez, au centre, il me faut de l'eau. Enfin, non, c'est pas qu'il me faut de l'eau, mais il faut de quoi boire et ça faut que je prévoie tout de suite. Donc le mieux c'est de se faire un gobelet. C'est moche mais j'aurai un petit peu d'eau. Et de faire des seaux pour transporter de l'eau. Hop. Magnifique. Donc déjà de l'eau. Hop, ici. Un deuxième. Ah oui, j'ai foiré la source d'eau. C'est pas grave. Vous savez que les shaders, ça ne se voit pas. Ensuite, il est là. On va déjà boire un petit peu parce que. Ah, il est taquin le verre. Hein. Ah si, j'ai quand même été empoisonné une fois, tant pis. Bon. Oh, encore de la laine. Ah oui, là je suis bien à l'entrée. C'est quoi, je peux dire. Alors là, il n'y a rien. Le soleil est bas, dites voir. Hein. Faut que je grouille mes petites miches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est largement suffisant. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre que je peux explorer. Et j'ai pas des masses de bois, je vais chercher du bois en vitesse. Je crois que là, ouais, franchement, c'est pour récupérer ma table. Hop. Après, je pense que ça devrait aller. Oh, des mages. Eux, je sais qui c'est. Attends, il y a encore des trucs à ramasser. Ah, il y a trop de trucs, Hop, je plante pareil. Je sais pas ce que c'est, je vais regarder tout à l'heure. Rice. Très bien, d'accord. C'est tout. Non, encore un là, peut-être. Ouais, bon, là, par contre, la terre. Serpent. Alors, j'espère que il n'y a pas trop de... Dent. Je paisible comme ça, mais je me méfie de la nuit. La nuit, tous les chats sont gris. Et la nuit, c'est chiant d'avoir envie de faire pipi. Ouais, faut vraiment que je me grouille. Et là, j'ai pas du tout regardé là. On va déjà laisser passer une nuit et puis on va refaire un bout là ou de la chambre. Peut-être demain soir. Voilà, donc là j'ai déjà pas mal. Alors maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre là que je ne m'explique pas. Bicate. Oh non. Bon. Je me sens plus du tout. Qu'est-ce que. Waouh, non mais c'est quoi ce délire? Ah, vous avez vu? Il y a des trucs. Oui, ben j'ai pas le. Doucement. J'ai le temps. Hop, je sais pas ce que c'est. C'est un truc à bouffer, ce sera bon pour ce soir. Bon, on va se mettre au pied de cet arbre là. On va creuser dans la montagne. J'espère que j'ai assez. Ah, c'est bien. Franchement, c'est par là. C'est. Non, c'est pas de l'eau, c'est pas grave. Oui, alors j'ai pas de pioche, hein, moi. Donc là, c'est la nuit. Possiblement, ça craint. Donc là il y a des ends, je sais pas s'ils me protégeraient. Là il y a des zombies, eux vont pas me protéger. Donc je creuse. Allez, on va creuser la pierre nue. Pratique. C'est pas qu'ils m'ont vu hein. Alors, je sais pas trop comment faire ça, parce que si je ferme là, c'est fermé
ici, genre... Ouais, voilà, je me rappellerai parce que je me rappelle du sens. Moi, j'ai un sens d'orientation. Castor Junior aveugle. Je pense qu'une personne aveugle se débrouillerait mieux. C'est mon pote. Ça y est. Un petit couloir, je pense que je vais surtout descendre un petit peu, ça va m'éloigner de ce qu'il y a en surface. Il va falloir que je fasse des outils d'urgence. Et pour vous montrer un petit peu comment ça se passe chez McDonald's, je pose ma table d'artisanat et je vais me faire une pioche. Sauf que je vais prendre le blême. Le blême, c'est une expression qui n'a plus lieu d'être depuis 300 ans. C'est pas grave. Hop. Voilà, il n'y a pas de craft. Et non, il y a un autre système de craft bien plus compliqué que je suis obligé d'utiliser. Je suis pas sûr. Je récupère. Enfin, pour l'instant, je peux laisser comme ça. Alors, je disais, oui, je creuse. Pas là. Encore un. Ça va être pénible. À crafter par la place. Eh oui. Bon, écoutez, tant pis, on va faire ça comme ça. Pas le temps. Ou alors je me fais le lit, je passe la nuit. C'est peut-être possible aussi. Je vais voir. Je vais reprendre mes esprits. Un petit peu fin. On va attendre avant de tester la nourriture. J'ai 9B, j'espère que ça va. Non. On va tester des B, j'attends pas non plus. Alors je sais ce qu'il va falloir mettre en route, je vais devoir créer un vrai petit atelier de fabrication. Des choses que, qui ont déjà été vues effectivement dans la saison précédente. Hein. J'avais déjà vu ce genre de choses. Voilà, ça a l'air pas mal. Alors, il va me falloir de la place, ça je verrai. Déjà, il va me falloir des patrons blancs, des modèles. Il va m'en falloir une table de... Non. Il va me falloir une... On va essayer de finir le perch. Oh là là, j'en ai encore plus dans l'inventaire. Alors là, une table qui va servir de part builder. On va refaire une table de craft. Non, on va faire un coffre. Voilà, là, je vais mettre en coffre à pattern, parce que là j'ai tous mes patterns dedans. Boum, enfin les patterns de base. Hein. Ensuite, il faut donc une table, un atelier d'artisanat avec différents patterns. En plus, c'est pas grave. Et ça, c'est ma station d'outillage que je vais mettre là. Voilà. Pas le choix. Alors maintenant, il va me falloir que je me fasse une pioche pour commencer une pioche. Donc, il me faut la tête et le noyau, le moyeu, je sais pas comment dire. Nous, on va tout faire en bois, bien sûr. Donc là, j'ai besoin d'un demi. Matériel cost 0,5. Donc j'ai mis un bâton qui correspond à la demi d'une planche. Et là, je vais mettre une planche complète. Et voilà. Là, j'ai ce qu'il faut. Alors, c'est pas tout. Il faut maintenant utiliser voilà, la toolstation et se mettre sur le modèle de la pickaxe et mettre aux bons endroits un bâton, un noyau, je ne sais pas comment on dit. Et voilà, et là j'ai... Alors, donc maintenant, il va falloir, oui, le tout, ça va être de me faire un four, je pense. Un bouquin, je ne sais que faire. Allez, on va piocher là. Ça va vite. Alors voilà. Je pourrais probablement... Là d'ailleurs. Voilà, je vais passer par ici. Non, j'en ai pas assez. Donc,
je vois pas grand chose. Alors je suis désolé, vous ne voyez rien. Je vais tenter de vous faire de la lumière dans un instant. Je vous rassure, je suis quasiment aveugle moi aussi. Je pourrais monter la luminosité. Temporairement. Ah non, avec le shader, ça risque de pas changer. Non, ça change rien. Ouais, c'est vrai. Avec les shaders, ça ne change rien. Bon, bah voilà. Vous ne voyez rien, point. Alors, on se concentre. Je vais faire un four, première chose. De toute façon, je vais mettre les vidéos de marche. Vous allez voir un petit peu. Vous allez voir, on va le mettre là. Je vais mettre un champ bâton. Ça me fera deux. Pas d'autre chose à cramer. De... Non, c'est bien. Donc, une planche. Boum, boum, la lumière sort. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, je vais en profiter pour prendre un petit peu plus. Voilà, de pierre, je peux encore mettre des choses par là. On verra après. Alors voilà, c'est très bien. Donc, on va déjà... J'ai plus de bâton. Alors, le bois est précieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des torches avec des petits bâtons en bois. Là, j'en ai déjà 4. On va mettre là, voilà. Lumière soit. On va reprendre ça. On va probablement mettre le coffre dedans. Donc. Là, on va le mettre en haut. Voilà, c'est pour un atelier complet. Je vais réserver des places à l'avance. Donc là, toi je te prends. Le four. Il est là normalement. On va le mettre, voilà, il y aura une craft simplement là ou là, un four, voilà, et puis vraiment un coffre. Ok, on va le déplacer. J'espère que tout est bouché. Normalement tout est bouché. Hein. Hop. Voilà. Et, on va se faire un coffre, hein, parce que là c'est... Voilà, donc on a fini une pile de bois, ce qui est pas mal. Hop. Alors on peut faire un coffre avec des boîtes de bois. Allez hop, on va mettre déjà tous les bouquins. Ici, ça ne sert pas. Ça va faire par tri ensuite. Alors ça, je m'en servirai. Ça aussi. Voilà. Voilà. Alors il faut que je mette encore un petit. C'est juste, hein, j'ai pas envie de chercher dans le bois, c'est ce que je peux. Et puis pour une hache pour aller plus vite. Alors attendez voir. Donc une hache c'est une tête comme ça, et ça c'est un matériel. Donc attends, je vais la faire en terre. Hein. Voilà. Je sais pas si ce bâton là ça marche. Ben, c'est moi qui vais voir. Ouais, ça marche. 65 de durabilité. Alors, vous croyez que c'est bon pour y aller ? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une araignée. J'ai encore faim faible, hein. Faut pas le dire, mais... Voilà. Bon, alors je suis où? Je suis là. On va mettre une petite torche à l'extérieur pour se repérer. Et il va falloir du bois. Donc là, on est où? Misère. Donc bon, je pense que je manque de rien ponctuellement. Oui, très bien. Alors, elle est où? Elle est là, donc on va se mettre un truc ben, par là, voilà, pour se rappeler, hop. Voilà, ça devrait suffire. Ah,
Voilà. Alors, oh la vache. Il y a plein d'ent. Ça, c'est quoi? C'est juste une petite montagne, d'accord. Bon, bah le bois, alors pas pour les arbres, ça c'est clair. Je pense qu'ils vont protéger leurs frères arbres et qu'ils vont pas faire grand cas de moi. Alors, donc, bah, y a des arbres là-bas, ce sera très bien. Je verrai pour cette caverne. Ouh, un os, excellent. Ah oui, mais c'est vrai que je peux récupérer, il faut que je fasse la chasse au... Ouais, je sais pas ce que t'es. Blueberry, j'avais des raspberry, rasp, pas rasp. Alors oui, bon, bah la pierre, c'est bon, c'est pas trop un souci, j'en ai 8, 9, j'arrive à faire un truc. Là, il y a probablement une grotte, on va regarder de dessus. Elle a l'air à ciel ouvert, c'est pas une grotte techniquement. C'est une faille, et elle va plus loin, elle s'enfonce ou... Ou par contre, il y a un truc qui m'intéresse complètement, c'est du charbon. Alors, ça c'est quoi? Je prends. Je pose même pas de questions. Minerai précieux. Voilà, ça c'est bien. Bon, elle est bien cette petite pioche, hein, mine de rien. Le bois, faut pas que j'oublie le bois. Si je me retrouve sans bois, je vais en avoir besoin de beaucoup au départ. C'est bon. Voilà. Non, j'ai pas l'outil pour. Hein. Je vais aller plus loin, mais là, vraiment du charbon, il en faut plus que ça. J'en ai combien? Ouais, 7. Ça commence à devenir bon pour faire 2-3 trucs. Si j'ai assez de bois, je compléterai au charbon de bois. Hop, allez. Pas. Du fer. Oh non, j'ignore. Hein. Plutôt mourir. Oh, je viens de réaliser que je pouvais le prendre avec une pioche en bois. Ah oui, donc le système de niveau est différent, hein, clairement. Bah c'est nickel. Et j'ai l'air de me plaindre. Bon, bah j'ai déjà des blocs de fer dès le départ. On va faire le tour de la grotte histoire de voir s'il y a d'autres choses à ciel ouvert. Faut hésiter à se balader, il n'y a pas à dire. Alors donc c'est un arbre géant. Mais regardez la taille de cet arbre. Alors ces magiciens-là, je sais qu'ils ne me feront rien. Oh bon sang. Il est de couleur différente? Ou c'est un bug? Je vois un truc bizarre. Oui, c'est pas très grave. Alors là, il y a quoi? Il y a des chèvres. Et il me faut, bon, il me faut vraiment du bois. Et là, c'est vraiment trop près. Donc, bah, on va se grouiller, hein, tout simplement. Je peux pas courir longtemps. Hein. Il faut savoir que voilà, la gestion de mon énergie... Et limité. C'est le moment de goûter CB. Oh, j'ai encore un petit peu. Bon, ça me brûle pas. Pam, je m'empoisonne direct. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Trop simple, heureusement. J'ai mis jusqu'à la région, j'ai cru que je allais me... Ah d'accord. Okay. Non, mais sérieux, j'ai pas... Voilà, hop. Allez, il me faut, oui, du bois là, faut arrêter de rêvasser. Alors, ma super pioche de bois là, il est... Cet arbre là m'a l'air trop compliqué. Gros chat. Ce bois là m'a l'air trop compliqué. À couper. Est-ce que je vois des ends là? J'ai que ça change la donne. Oh bah bien. Ne faites que couper du bois, ne faites pas attention à ça. Ah, encore une grotte. Est-ce qu'il faut voir sur le coup? Non. Il y a un bordel, j'imagine que vous entendez tout. C'est hallucinant. Raspberry Bush. Bon, et je vais pas en prendre une mille. Il n'y a pas de... C'est pas remarqué, hein, maintenant on a sensiblement, parce qu'on a un peu dû remarquer. Ah oui, je crois me souvenir de ça, effectivement. Ça ne vient pas la hache. Hache spéciale pour le grenade, qui nous fait limiter au fond du bois, pas comme les lacs des feuilles. Hop, 1,
Deuxième. Alors, j'en ai combien? 18. Clairement, je peux faire mieux. J'ai bouchonné les feuilles. Comme j'ai bouchonné leur merde. Quoi, pardon? Non, je n'ai rien. Alors, boum. Non, pas par là, je regrette. Je suis désolé. Oui, ça c'est bien. Encore un peu, hein, il faut pas se... Voilà, je viens mon père, hein, je suis en train de me perdre. Vachement, qu'est-ce qu'il y a comme... Qu'est-ce qu'il y a comme fauve ici, c'est incroyable. Bon, voilà une belle... là, il y a un truc en haut, sérieusement, je sais pas ce que c'est, mais... Si, ça. Boum, où sont les graines? T'aurais pas bouffé les graines, toi, genre un piaf, les graines, non? Là, je me demande. Hop, donc là, écosystème, hop, voilà. Donc à chaque fois, ça va être bien content. On va encore des trucs, un prochain passage. Si je repasse par là, hop, on vire. Voilà, donc là, j'en ai 6. Ça vaut quoi? Déjà, c'est un d'un coup plutôt qu'un demi, c'est plus honnête. Alors, voilà, les graines sont là. Oui. Donc c'est de la du raisin, voilà. C'est de la raisin. Oh la vache. C'est trop court, j'ai rien eu le temps de faire. Mais ça valait mieux. Ça m'a l'air. Non, ça m'a pas l'air clos. Un petit peu de charbon, je peux prendre décemment pas. Je vais essayer d'en prendre un petit peu. Je pense qu'il sera temps de rentrer. Oula, le soleil est déjà rasant. Sans deck. Alors, elle est où? Elle est là. Faut que je regarde si j'ai pas encore d'autres choses intéressantes à voir. Bon, bah là, une plage. Voilà. C'est pas la canne à sucre que je vois là. Ah, et puis il y a ça. Ça, c'est intéressant. Je vais le prendre. Et canne à sucre. Oui, canne à sucre, j'ai intérêt à le prendre. Je sais pas si vraiment j'aurai le temps. Je fais en sorte que... il y a encore des trucs là, c'est pas grave. Alors on va pas tout prendre, on va prendre que deux, on essaiera de les faire repousser. Ouais, donc là il y a des trucs. On va rentrer, je vais essayer de rentrer. Voilà, je peux pas sprinter indéfiniment. Hein. Ça me donne très soif. Oh là là, nourriture gratuite. Allez, un petit extra. Je suis gourmand, je sais. Voilà, bah, comme il pleut beaucoup plus vite que moi, écoutez, je vais pas me priver. Alors maintenant, hop. Ah d'accord, il sauter en même temps, ça épuise grandement mon... Allez. Ah, je peux plus parce que j'ai soif. Oui, alors je vais pas m'épuiser. Non, on va y aller tranquillement, on va y aller. Ça y est, c'est la nuit. Définitivement. Il est là mon trou, ça y est, je le voyais plus. Avec les shaders, j'ai du mal quand même. Et voilà, oui, on ferme complètement. Hein, pas de. Ah, voilà. Et ben, alors. Bon, un petit abri, tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. Alors là, classiquement, ouais, je sais comment je vais faire. Je vais déjà déposer tout mon bois. Ça, j'avais déjà. Ça, je le mets de côté précieusement. Ça, non. Non. Ok. Celle, le bois, oui, j'en ai 40, ça va. Là, ça me semble correct.
Du coup, maintenant, on va... Celui-là, je vais garder pour le plus. Charcoal. Je vais prendre à la place... Qu'est-ce qui est vraiment important? Ça, probablement. Alors, on va faire cuire de la pierre. Non, on va faire cuire plein de trucs. Alors déjà, deux de pierre, normalement, ça suffit. Ensuite, on va cuire de la viande. J'en ai vu d'autres. On va essayer de terminer. Ah bah tiens, et voilà. On met ça de côté. On va manger la viande en priorité. Je ne sais pas, il y a trop de choses. Voilà. Alors, paf, paf, paf. Pourquoi je n'aurai jamais besoin de ma vie entière? Je ne sais pas. Ça, on va garder. Ça ne sert à rien. Le reste, ben voilà, on garde. Donc, alors, c'est parti. Deux de ça. Vous allez comprendre pourquoi. On va se faire un petit point d'eau. Improviser, cuivre machin pour l'instant non. Ensuite on va cuire ça. Et du sable, 3 de sable. 1, 2, 3, 4. Voilà, plus ça. Et ensuite, ça suffira de toute façon. Voilà, un peu de nourriture et il me faut du verre. Alors, avec ça, je vais faire une petite plaque. Voilà, on va tout de suite commencer. Alors, voyons voir, que je réfléchisse comme ça. Ah, j'ai de quoi faire un pec. Donc, je pose ma petite plaque. Hop, un seau d'eau là. Et infini, direct. Voilà. Boum. Alors on en est où? Ça finit de cuire, je sais pas, on va essayer de cuire encore un truc vite fait. Je sais pas si j'aurai le temps, mais voilà. Et pendant ce temps, on va se faire des sources d'eau un petit peu plus que des gobelets. Voilà, je m'empoisonne à chaque fois et qu'on va déposer. Je sais pas. On va prendre le bois parce qu'on en aura besoin. Hop là, c'est fini, j'ai pas réussi. On va juste récupérer un petit peu la pierre. Ah, monsieur four. Voyons voir. Oh ouais, c'est bien. Bon, alors il va me falloir un petit peu plus de place. Donc on va déjà doubler le coffre. Première chose. Donc bah, je vous propose de le mettre là. Voilà. Ça me semble le plus évident. Et là, je vais pouvoir bazarder tout le fouillis qui ne m'intéresse pas. On va garder ça. On n'en prend pas tout. Ça. Ça, pareil. On n'en prend pas tout. Voilà. Maintenant, avec ce charbon là, on va faire un filtre pour l'eau. Voilà. On va prendre une petite bouteille. On la filtre. Boum. Et on peut la voir. Et c'est beaucoup plus efficace. Voilà, on fait une dernière fois en réserve et on est tranquille. Bon, le filtre n'a pas beaucoup de durabilité. Alors, j'ai pas besoin de grand chose de plus. Si, on va quand même faire une pioche en pierre. Hein. Donc, on va garder un manche en bois. Parce que, si j'ai bien compris, tout en pierre, la durabilité est très 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 courte. Donc, une tête de pioche, la partie centrale, donc tout en pierre, boum boum. Alors là, quand on utilise moins qu'une pierre, il nous produit un éclat de pierre. Le reste, j'ai mes deux parts et je prendrai un bâton en bois. Et on va maintenant assembler l'objet, ici, je sélectionne le bâton, là, ici, ici. Alors là, on a vitesse de minage, non, déjà durabilité 97, là on aura 131, beaucoup mieux. Vitesse de minage 3,5, et là il me dit... Oui, en plus c'est vrai, il y a un modificateur, il va miner de plus en plus vite au fur et à mesure qu'il est donc le modificateur pour l'instant de Stunbound, qui est la propriété qui fait ça, de 0,67 et donc une vitesse de minage de 4 alors qu'on était à 3,5. Donc plus un level, donc un niveau de minage jusqu'à l'iron, là c'est pareil, et des modificateurs qu'on peut mettre, et un attaque de dommage, 2, dans la poche. Je finis celle-là, et puis je commence l'autre. Je n'ai pas besoin d'une pelle. Ouais,
Alors la tête de la pelle c'est 1. On va mettre voilà. Et puis un bâton. La pelle elle est là. Voilà. Là c'est à peu près armé. On va. Donc là on a un tout petit endroit. Et ben on va partir probablement. Voilà, sur un côté, hein, peu importe. Voilà. Direct, ça commence bien. C'est quoi ça? C'est du cuivre. J'ai du copper. C'est cool. Hop. Alors, je mets tout à la place habituelle. D'habitude, ça me fait gagner du temps. Ça ne vaut que pour moi, bien entendu. Voilà. Oh bah ça y est, bah il a pris direct. Ah, j'ai pas de torche, dites. Bah c'est bon, j'ai pris du. Bon, on va compter avec les petits bâtons en bois. Hop, voilà, on va faire la moitié en torche. Ça m'en donne 4 à chaque fois. Oui, 8, j'ai de quoi descendre. Alors, hop. On va prendre ça. Hein. Donc finalement du fer j'en ai pas mal. Alors avec ça je peux faire une cisaille mais j'ai pas besoin vraiment de tondre des moutons. Alors, on va ranger ça. Et je vais voir déjà où est-ce qu'on en est parce que si c'est le jour on se quittera. Ce sera la fin de l'épisode. Waouh, c'est ça un creeper sur une araignée. Ça c'est la merde. Le jour est en train d'arriver. Mais alors, le creeper sur l'araignée, ça, ça me... Oh non, 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 non. Non, non, non. Je veux pas y aller. On va creuser encore un tout petit peu et puis on s'arrêtera. Mais ça craint, hein. Soyons clairs, ça craint. Bon. J'aimerais bien voir habiter... je sais pas, habiter sur l'arbre, dans l'arbre. Il a l'air méga grand. Faut que j'aille le voir de près parce que je me rends pas trop compte de la dimension comme ça. 3, 4, 5. Allez hop. Alors c'est souvent m'entendre compter ceux qui regardent mes vidéos, c'est-à-dire 3 personnes en France le savent, je parle tout haut. J'ai des petites habitudes de minage, etc. Je ne pas tout à fait débutant en Minecraft. Notamment pour l'éclairage, etc. J'ai déjà fait plein de calculs pour optimiser l'éclairage. Donc si c'est comme ça, c'est parce que ça marche. Là, il y a la lumière. Le bug de shader m'indique qu'il y a probablement une ouverture par là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça devrait être normalement, je pense, par là. On va voir tout de suite, il y a un truc. Ou la lave, ou... Je me tromperais ? Un bug gratuit ? Ah ouais, j'aurais vraiment dit qu'il y avait un truc. Bah non, toute évidence, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je suis où, là? Tac, tac. Et tac, voilà. Alors, encore un peu. Et puis, normalement, ça devrait être bon. Voilà, juste ça pour bien me mettre dans le truc. Ouais, c'est bon. On continue. 3, 2, et le sol. Et voilà, allez hop, on remonte pour voir si c'est le jour. Creeper, oublie-moi. C'est le jour, et bien écoutez, c'est le moment de se laisser. Les amis, je vous souhaite une bonne... Je vous la souhaite bien bonne, je ne sais pas quoi. Et voilà, cette série mystérieuse dont le nom m'est inconnu. Continuera prochainement. Le creeper, j'imagine que c'est le même, est toujours là, sans sa monture, ce qui le rend légèrement moins dangereux. Ouais, parce que vous imaginez une araignée qui saute, enfin c'est l'enfer quoi. Je vous rappelle que normalement, j'ai même pas vérifié, on est oui en mode difficile. Voilà, hein, d'habitude c'est le mode dans lequel je joue. Et ben voilà, ça y est, c'est fini. On va pas reboucher, on va laisser comme ça effectivement. Je vais faire une photo. Comment je vais faire une photo? Il faut se mettre comme ça. Voilà.
photo comme ça. Alors, normalement, c'est... Permettez-moi de regarder, c'est quoi la photo ? Alors, permettez-moi de regarder, c'est quoi la photo ? Settings, screenshot, F10. Ah bon ? F10 ? Ok. Réduire, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des touches pour tout. Ligne, photo, il me dit cuit. J'en fais une avec sans éclairage et une avec Minecraft. Voilà, hop, c'est bon. On retourne à ça. Et ciao, ciao.